Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue sur Global Africa et Trois ans en Afrique. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition Business que nous consacrons aux entreprises, euh, aux diversités, à la diversité des marchés, à l'intégration au réseau et à la digitalisation. Pour cela, je reçois Monsieur M. Dogadogui, Doga président d'Africa SMB Forum. Ambassadeur du réseau OUSME en Tunisie. Encore une fois, mesdames, messieurs, ravi de vous retrouver. Je suis Carmen Févillier. Bonjour Dogad. Bonjour Carmen. Bienvenue. Merci de me recevoir. Et donc, euh, Dogad, j'ai bien rappelé que vous êtes président d'Africa SMB Forum et que vous êtes ambassadeur du réseau OUSME en Tunisie. Et donc, euh, avec vous, nous consacrons cette émission. Aux entreprises africaines et nouveaux défis. On va parler des diversités des marchés, on va parler de l'intégration régionale et du, du réseau et de la digitalisation. Et donc, on va commencer tout de suite, Dogad. Alors, je m'adresse, Dogad, à l'homme d'affaires qui est là en face de moi. Vous êtes sur le terrain africain et européen. Euh, Est-il bon aujourd'hui de faire des affaires en Afrique D'abord, euh... Qu'il soit bon ou pas, il est nécessaire de faire des affaires en Afrique. L'Afrique est le nouveau territoire de conquête, le jeu d'influence, le secteur de la nouvelle croissance. Mais on le dit depuis quelques années. C'est-à-dire que ce n'est pas d'aujourd'hui que là où il y a croissance, là où on cherche à faire des points de croissance, c'est l'Afrique et toute l'Afrique. Et donc, J'allais dire que le, le monde entier couvre vers l'Afrique. Moi, il n'y a pas un seul vol que je prends entre les Émirats Arabes Unis, l'Europe et, et, et l'Afrique. Vous venez d'un voyage, là, je pense. Et je rentre de, 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 à nouveau de Tangier avant de Casablanca et de Kinshasa et d'autres. Ah oui. À chaque fois, les vols sont pleins. Et ce ne sont pas que des touristes. C'est donc que euh, le monde entier a compris que là se joue, sur ce continent, ben, l'avenir de la planète, l'avenir de ses ressources de sa régulation, de son avenir écologique. Et il faut que les Africains eux-mêmes soient conscients que nous sommes sur un continent qui est le continent d'avenir et il doit se faire avec nous. Il faut que les Africains eux-mêmes soient conscients. Bah, il faut que les Africains acceptent et comprennent que euh, nous ne pouvons pas passer notre temps à remander, à demander aux autres oui. de venir développer ce continent à notre place alors que nous sommes assis sur le trésor. Donc il y a un moment. Il faut se prendre en main et faire en sorte que ce qui nous appartient, on puisse le transformer. Pour cela, il faut se retrousser les manches. – Il faut se retrousser les manches et puis il faut sensibiliser et communiquer, justement pour éviter l'exode des populations vers euh, qui ne sont pas conscientes justement de ce que vous dites. – Les populations, elles vont, notamment les plus jeunes, oui. et, et d'ailleurs les plus valides et les plus costauds. Parce que ceux qui vont en immigration à travers le désert du Sahara ou à travers la Méditerranée, ce ne sont pas les plus faibles. Ce sont des gens qui ont une vigueur, qui ont des capacités et qui, dans leur pays ou dans leur environnement, pour des raisons variées, n'arrivent pas à mettre ces capacités-là en valeur. Donc il appartient à ceux qui détiennent le capital, qui veulent investir, qu'il y ait aussi un investissement sur les ressources locales, c'est-à-dire sur les hommes et les femmes, notamment les plus jeunes, pour leur donner de l'emploi. Il ne s'agit pas de leur offrir un emploi. Euh, pour les aider. Il s'agit de miser sur ces populations pour avoir un retour sur investissement. Donc là où on doit devenir peut-être l'usine du monde de demain et peut-être d'ailleurs l'usine aussi intellectuelle, ça se fait sur l'investissement, sur les populations. D'accord. Alors revenons sur votre réseau, Dogad. Qu'est-ce que SMB Forum, Africa Forum, propose aux entreprises Africa Forum, c'est aujourd'hui 33 000 entreprises dans, dans 52 pays dont 31 en Afrique et 21 hors d'Afrique. C'est un espace euh, où des entreprises trouvent, se connectent pour trouver qui est un donneur d'ordre, oui. un investisseur, un équipementier, un fournisseur ou à l'inverse, un sous-traitant, euh, un distributeur, mm -hmm. un partenaire éventuel pour, l pour le lendemain ou un co-traitant pour un marché public ou privé. Donc c'est comment nous connectons. Oui. D'Asie, d'Amérique, d'Europe et d'Afrique, des entreprises qui veulent travailler ensemble. C'est un marché virtuel. Si on peut oh, dire, disons que c'est un marché. On est dans du virtuel au réel. Du, du virtuel au réel. Euh, la oui. connexion elle, se fait en ligne, mais oui. on est sur le terrain. Et donc, le plus important, une entreprise Tanzanienne qui trouve un partenaire euh, euh, en Hongrie, au Canada ou au Chili, il y a un moment où il faut que les entreprises se rencontrent, regardent si les marchés convergent et agissent. – D'accord. Et donc, Africa SMB Forum permet de trouver les réseaux d'affaires. – Permet de trouver de nouveaux marchés. – Des nouveaux marchés, Nous, nous créons des opportunités. – Un réseau pour, pour pouvoir trouver… – Exactement. Euh... Et c'est d'avoir un réseau sur le commerce intra-africain. Parce oui. qu'aujourd'hui, nous en sommes à… Okay. 12, 13, 14% maximum de commerce intra-africain. Donc le plus important, c'est comment inciter une entreprise de Madagascar à travailler avec une entreprise de Tunisie ou, ou celle du Cap Vert à avoir des partenaires à Djibouti. Mm -hmm. Et souvent, dans le voisinage, à proximité, une entreprise qui cherche une solution, un produit, une technique, un marché, elle peut l'avoir dans son environnement immédiat, dans son propre pays, à 50 km, à 100 km, mais elle peut l'avoir peut-être dans le voisinage, mmh. dans le pays voisin. Donc le plus important, c'est que les entrepreneurs se connaissent et sachent qu'ils sont eux-mêmes solutions pour d'autres. D'accord. Euh, solution pour les autres. Et donc on va parler marché, entreprise africaine et éthique. On va euh, s'appuyer sur le mot éthique. Oui. Et donc, Dogad, vous, euh, vous, vous connaissez les entreprises africaines, vous approchez les, euh, les, les, les décideurs, donc les États. Euh, L'éthique dans les contrats d'affaires d'Ogad, contrat, on parle souvent de contrats publics-privés, donc les PPP, pour euh, la construction d'infrastructures, on parle de bail amphithéotique, oui. pour euh, l'agriculture notamment. Et euh, dans les contrats de marché entre États ou entre États et investisseurs, euh, cher d'Ogad, où se situe la limite à ne pas franchir la limite. Alors, je vous, pose, euh, je vous pose cette question, oui. excusez-moi de vous interrompre. Oui. Est-ce est l'intérêt supérieur de la nation Parce que euh, vous, vous êtes sans, sans ignorer qu'il y a une polémique euh, relative au Congo-Brazzaville sur des supposés terrains qui ont été vendus euh, au Rwanda, par, justement par le biais du contrat euh, de bail amphithéotique. Mais vous savez, dans un marché, quel qu'il soit, entre entreprises, entre États entre état et institutions, il faut que les parties prenantes se mettent d'accord. L'important ici, c'est qu'au-delà de l'accord entre deux parties, il y a une tierce partie qui est euh, la population, oui. qui n'est qui euh, pas souvent consultée. Le peuple. Mais parce qu'elle doit l'être par ses représentants représentants du Conseil économique et social ou les parlementaires. Les parlementaires oui. Donc il faut que dans tous les pays du monde, et en Afrique également, les parlementaires fassent leur travail. Ils sont là pour contrôler la bonne marche de la gestion de l'État. Donc, pour avoir droit de regard sur la gestion, ils ont des commissions de finances dans les assemblées, Assemblée nationale ou Sénat, qui doivent se saisir. Et c'est comme ça qu'on avance. C'est-à-dire que l'État de droit, c'est aussi l'État que se donnent, j'allais dire, les, les propres peuples. Et le droit de regard sur les contrats. Mais le droit de regard, c'est, je dirais que le plus important dans le cadre des contrats, notamment des contrats qui concernent les pays du Sud en général, ce qu'on appelle le Sud global ou le pays d'Afrique, c'est qu'un contrat qui est signé, il est signé au nom du peuple, au nom de la population. Parce que le représentant du peuple, le gouvernant, signe un contrat. Donc lui, il doit pouvoir avoir en face de lui la représentation nationale qui a droit de regard sur ce que le gouvernement met en place. Quelles sont les retombées pour le pays oui. Quelles sont les retombées pour les populations, notamment celles qui sont les plus euh, impactées localement, en termes d'environnemental ?– Mais est-ce que vous, en tant qu'homme d'affaires, oui. vous encouragez les contrats amphithéotiques euh, euh, dans les secteurs de l'agriculture, par exemple ?– Mais tout, tout est encourageable, parce que le plus important, c'est quel temps il faut pour un partenaire pour qu'il puisse avoir son retour sur investissement. Oui. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de venir dans votre contrée, dans votre pays, dans votre village, dans votre région, apporter ses investissements sans avoir un retour. Le plus important, c'est comment on mesure le retour sur investissement. Le retour sur investissement. Ça va très long. Oui, simplement qu'il faut savoir que la partie prenante, il faut que tout soit sur la table. Oui. Je vous mets 100, je sais qu'avec ceci, je vais pouvoir en tirer 1000. À partir de quand À l'issue des 99 ans et donc, il faut pouvoir savoir… – Presque un siècle, un siècle 99. Euh, – Oui, mais si on a fait un contrat, un, un bail amphithéotique à tel endroit, c'est que ça a été, encore une fois, avec l'accord de deux parties. Oui. Il faudrait que ce soit l'accord de la troisième partie, la partie tierce, qui sont donc le peuple et les populations, par le biais de leurs représentants. – D'accord. Alors, euh, cher Dogal, quels sont les besoins des entreprises que, euh, que vous avez observées sur le terrain africain ?– Aujourd'hui, l'entreprise africaine… Je prends d'ailleurs je ne le mets pas au pluriel volontairement, elle a besoin euh, d'avoir accès, notamment pour les PME, celles que j'accompagne le plus, elle a besoin d'avoir accès au marché. au marché. Elle a besoin que le marché ne le soit pas euh, interdit. Mm -hmm. Je ne parle pas uniquement interdit. des marchés internationaux. Interdit. Oui, parce que dans certains cas, dans certaines contrées, on a vu des PME ne pas pouvoir concourir à un marché public décidé par une collectivité ou par un État parce qu'elles se sont senties exclues de l'accès à ce marché. Par rapport aux conditions. Euh, conditions oh, par rapport conditions. à des tracasseries. Parce que les conditions, elles sont les mêmes pour tous. Les tracasseries, on... d'accord. Les tracasseries, oui, parce qu'il y, y a des pays où on a vu euh, le gouvernant, euh, le ministre de la région euh, créer lui-même une entreprise parfois un mois avant pour concourir à un marché public et le gagner. Bon, donc ce sont des pratiques qu'il faut que nous arrivions à. À, à, à éliminer. Et puis il y a le cas où l'entreprise locale, nationale, euh, elle est en droit d'avoir un accès protégé pour des marchés qui sont remis à des acteurs internationaux. Oui. Ce qu'on appelle le local content. Oui, le local Faire local content en sorte que si un investisseur vient d'ailleurs mm -hmm. pour le marché, il vient pour gagner de l'argent, ce qui est tout à fait normal, mm -hmm. mais il faut qu'il puisse concourir au développement du pays. Et comment en faire concrètement une exigence du local compte euh, ben Ça veut dire qu'il faut que ce soit dans la loi. Il faut que dans les codes d'investissement, le local content soit intégré. Mais la loi ne suffit pas. Il faut aussi qu'elle soit appliquée. Pour cela, il faut donc avoir des agents publics chargés de contrôler l'effectivité. Vous venez dans un pays pour un marché, vous devez employer X% de cadres, d'employés. De, ou, de, ou de, de, de cadre supérieur, oui. il faut que ce soit respecté. Oui. Encore il y le, le transfert de, euh, de technologie. De technologie oui. oui, mais encore faut-il que le pays qui accueille ces investissements soit lui-même en droit de présenter des compétences. J'ai dit à, à, à un dirigeant d'un pays il n'y a pas très, très longtemps, enfin, il y a quelques années, qui nous demandait de l'aider à mettre en place un, un fonds d'investissement, je disais, ben, Excellence, le plus important d'abord, dans votre pays, il n'y a pas beaucoup de jeunes gens. Qui dépasse le niveau de l'école primaire. Il y donc a commencer une politique de renforcement de capacité. – Mais oui, donc... commencer d'abord par investir sur l'éducation de base pour avoir des hommes et des femmes bien formés. Parce que pour pouvoir attirer des investisseurs, il ne suffit pas d'avoir un sous-sol riche et que ce soit un, un, un développement, j'allais dire rentable, mais surtout durable. Il faut des cerveaux, des il faut bras il y ait des et compétences. des compétences. <laughs> Exactement. Il faut qu'il y ait donc de la technologie, des compétences et des bras. Ça veut dire que localement, il faut être en mesure de pouvoir accueillir les investissements pour qu'ils soient durables. Dogad, je sais que l'économie informelle vous tient vraiment à cœur. Mm -hmm. Et donc, je voudrais vous poser cette question. Euh, comment s'en emparer de cette économie informelle Comment faire réellement une. une D'abord, il faut arrêter de l'appeler informelle. Pour moi, c'est l'économie réelle. Parce que c'est celle qui permet à des familles entières de se nourrir. C'est celle qui permet à des familles entières de pouvoir… – Éduquer les enfants. – Éduquer les enfants. – Que se soigner aussi. – C'est à partir de cette vente au marché d'une dame que les enfants se retrouvent demain à l'école, après demain au lycée, à l'université. Donc, c'est bien une source de subsistance. Par contre, il appartient au pouvoir public. Il appartient au patronat, aux chambres de commerce, aux chambres d'agriculture, de faire un travail d'accompagnement. J'ai dit parfois à certaines chambres consulaires, si vous remettez, aujourd'hui le digital est en, en pleine croissance, notamment sur les transferts d'argent, oui. sur le paiement électronique, etc., mais on peut donc euh, récupérer sa rémunération, euh, le paiement de sa récolte, euh, ce, ce, son paiement de sa patente par le biais d'une carte oui. d'identification. Mais pourquoi est-ce que quelqu'un qui, depuis des années, mène son commerce au bord du chemin, gagne son argent, acceptera de rentrer dans une certaine logique d'identification de, 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 et de normalisation si elle ne trouve pas un intérêt. Donc c'est donnant-donnant. Je vais vous demander, chère madame ou cher monsieur, de vous faire identifier, je vous remets une carte, mais j'y alloue des services, des services de mutuelle pour l'assistance, pour l'assurance, pour la famille, pour le microcrédit, pour l'accompagnement. Donc, tant qu'on n'a pas cette vision de formalisation de l'économie par un retour gagnant pour les agents, mm -hmm. pour les commerçants, pour les artisans sur le terrain, on n'y arrivera pas. Donc, c'est une question de logique et d'intérêt partagé. Vous, vous accompagnez les investisseurs sur le terrain. Oui, je passe si ma vie -ce à que, cela. justement, est-ce qu'il y a des investisseurs déjà. Euh qui se sont saisis de ce, de ce problème. Mais les investisseurs, leur intérêt, et ils savent très bien, qu'ils soient d'ailleurs nationaux, euh, africains au sens du continent, continentaux, ou hors du continent, donc en, en dehors de, de, de l'espace africain, un investisseur, si son intérêt pour avoir un meilleur retour sur investissement, c'est d'avoir une identification de ses réseaux, de ses distributeurs, de sa cible, il investit tout de suite. D'accord. Si on n'empêche pas de le faire. Ben, il a intérêt à bien connaître son réseau. Donc, encore une fois, le plus important, c'est que les États mettent en place des, 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 des réglementations euh, qui obligent l'investisseur à un certain nombre de devoirs oui. et qui lui accordent en face des droits. D'accord. Je mets de l'argent dans le pays et j'ai un retour. Si mon investissement euh, est assujetti et corrélé avec l'engagement que je fais pour les communautés locales, euh, la, 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 une partie de mes bénéfices sont réinvestis dans les villages, la construction du dispensaire et, et de l'école. D'ailleurs, à la place de l'État. Oui. Si à ce cas-là, l'investisseur il s'y retrouve parce qu'il sait où va son argent et il sait où va sa contribution en taxes et impôts. Oui. Euh, Dougad, on va parler de la France. Vous, oui. vous êtes établi en, en France, même si vous, je suis vous en France une semaine monde. par une semaine par mois, tout à fait. Vous faites le tour du monde. Et donc, euh, on assiste à un changement de mindset côté euh, entrepreneur, côté entreprise française. Euh, D'ailleurs, un appel avait été lancé au PME euh, française d'aller encore euh, à nouveau investir en Afrique. Et donc, euh, suite à cette nouvelle politique, Dogad, je voulais vous poser la question de savoir comment les entreprises fr françaises euh, euh, s'organisent face à la concurrence des BRICS en Afrique. D'abord, il n'y a pas que les BRICS. La concurrence est multipolaire. Nombre... Oui, oui. Aujourd'hui, aujourd en Afrique, les acteurs que nous rencontrons, ils sont européens, certes, français, italiens, allemands, néerlandais, britanniques. On oublie souvent, l'Europe de l'Est arrive à grands pas. Donc, euh, Pologne, euh, Slovaquie, République tchèque. Mais oui. ben, ils sont émiratis, ils sont chinois, ils sont indiens, ils sont malaisiens, ils sont brésiliens, oui. ils sont coréens du Sud, ils sont chinois, mm -hmm. ils sont japonais. Ça veut dire que. S'y ajoute l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie C'est une bataille mondiale. L'Afrique est une bataille mondiale. Ce n'est pas un gâteau à partager, Dougat. Euh, Est-ce que l'Afrique si, est un gâteau si est à partager Si c'est un partage. gâteau à partager, il faut que les Africains mangent la première part. La première part, la voilà. grosse ou la petite La plus grande. La plus grande. <laughs> voilà, se servent en premier. Mais tout appartient. Où on posera celui la fait, cerise alors Celui qui fait la cuisine, <laughs> comme, je dis, comme disait ma mère, celui qui fait la cuisine doit le goûter en premier, oui. la sauce. Donc ceux qui font le gâteau, les Africains doivent savoir se réserver des parts. Et il appartient aux Africains que nous soyons organisés oui. pour avoir la meilleure part du gâteau de notre continent. D'accord. Et pour répondre à votre question sur, sur la, 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 la politique française, les, les, les entreprises s'organisent. Parfois, elles ne sont pas très bien accompagnées par les structures chargées de cela, donc la représentation. Mais en général, un entrepreneur sur un marché, il a besoin de savoir où il met les pieds. Je dis souvent à des clients euh, de ce côté-ci, donc la moitié de mes clients sont, 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 sont français et européens, bah, la, les pratiques ne sont pas les mêmes, parce qu'il y a ceux qui considèrent que... Nous sommes sur un terrain qui est un terrain, par exemple en Afrique francophone, de même langage et de même culture. Oui. Et donc, il n'y a pas d'effort à faire. Que Nini, ni, là où commence l'erreur. Quand vous dites à une entreprise française, nous allons faire un travail sur le Vietnam ou la Chine, elle commence par travailler sur les approches culturelles, oui. sur les relations, euh, j'allais dire, la compétence, la connaissance euh, interculturelle du marché. Oui. Quand vous lui parlez de Tanzanie... Du Sénégal ou de Côte d'Ivoire, elle considère qu'elle sait déjà. Oui. Or, c'est une erreur. Tout marché à l'international nécessite une préparation, nécessite une introduction, nécessite des relais. Et dire, cela vaut pour l'ensemble des marchés du monde. Et cela nécessite aussi la connaissance de la fiscalité de, des pays. Oui, parce que la bonne connaissance, ce n'est pas uniquement culturelle elle a aussi de s'adapter oui. à la manière dont l'organisation vous attend. Oui. Et euh, à manière dont fonctionne le pays, oui. ses rouages, ses structures, parce que pour avoir un marché, il faut s'adapter. Et selon vous, comme euh, je, je reviens encore sur le fait que vous êtes sur le terrain, donc euh, vous connaissez tous ces rouages, comment rendre l'attractivité, justement, fiscale Comment euh, rendre suis... l'investissement en Afrique plus attractif Sur le plan fiscal et Alors, sur je, le plan Alors, je, de... je pense qu'on on est déjà dans un. Le, le continent est déjà attractif en lui-même. – suis plutôt Oui, et moi je suis plutôt euh, le profondeur euh, de ces pays qui font la course à l'échalote pour savoir qui est le mieux-disant le mieux en baissant les taxes. – Alors pourquoi les, les, entre, les entrepreneurs, les, les, les investisseurs se plaignent du harcèlement fiscal euh, ?– Ça c'est un autre cas. – C'est un autre ou pas ?– C'est un autre cas, je prendrai le cas si vous permettez 30 secondes. Le premier c'est comment… Attirer les investisseurs. Oui. Ce n'est pas en baissant la fiscalité. C'est en donnant aux investisseurs des garanties sur un retour sur investissement. Alors faisons les incitations aussi. Les incitations, mais les incitations ne durent qu'un peu de temps. Je veux dire, faire une incitation fiscale sur 5 ans, c'est une hérésie. Oui. Parce que l'État a besoin de, de, de rentrée fiscale. Donc oui. il faut qu'on arrête. Et ça ne, ça ne... Il faut qu'on arrête d'avoir. L'Afrique ne gagne pas en. Voilà, il faut qu'on arrête les solutions Exactement. à court terme de dire euh, moi je suis tel pays, je fais moins de 10% par rapport à mon voisin. Mais un jour ou l'autre, on le paye. Parce que ces moins 10%, ce sont des routes en moins, des hôpitaux, oui. des écoles en moins. Donc, la fiscalité fait partie du business économique. Et vous avez abordé une autre question sur la, sur la fiscalité. Donc, il y a bien sûr le travail en termes d'activité. Mmh. Et puis, il y a, euh, j'allais dire... Euh, il ne faut pas tomber dans le dumping fiscal. Hein, pour mmh. résumer ce je, le propos que je viens d'aborder. Et puis il y avait un deuxième aspect dans, dans, dans votre question qui était quelle était-elle le euh, harcèlement. Le harcèlement. Alors c'est une question d'assiette fiscale. Euh, sans faire un cours d'économie. Alors, moi, je pourrais, je pourrais vous, vous présenter également euh, l'attitude des, 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 des administrations. Hein. Oui, mais cette attitude, elle est, elle est corrélée avec deux choses leur formation et leur rémunération. Si vous voulez avoir une administration qui fait son travail, c'est-à-dire oui. qui s'assure qu'il n'y ait pas des gens qui sortent de mailles défilées, que tout entrepreneur paye ses taxes et ses impôts, oui. il faut donc des gens bien formés une administration qui soit formée et bien rémunérée, et donc qui soit à l'abri des tentations que qu'elle soit douanière ou fiscale. Deuxièmement, moi je crois que la meilleure assiette, faire en sorte dans une collectivité, dans un village, dans une région, dans un État, que tout le monde paie des impôts à la hauteur de ce qu'il gagne. Il y en a qui ne paieront quasiment pas parce qu'il n'y a pas de revenus. Et puis il y a ceux qui en gagneront, qui paieront parce qu'ils gagnent beaucoup. Si on le fait, si l'assiette fiscale est large, il y aura moins de pression. Mais en général ce sont très peu d'entreprises qui payent l'impôt, très peu de foyers qui payent l'impôt mmh. au niveau des particuliers, mmh. et donc évidemment ceux qui payent. Ben, sont de plus en plus ponctionnés parce qu'il faut bien que l'économie et l'État tournent. Alors, ça, c'est bien dit. J'espère que nos téléspectateurs ont entendu. Alors, il nous reste peu, peu de temps. Dogad, je voudrais qu'on revienne un peu sur euh, ce que vous faites sur le terrain africain. Vous rencontrez le patronat. Vous rencontrez le patronat. Et euh, en tant qu'investisseur, je voudrais savoir comment vous percevez, euh, la, comment je peux dire ça, euh, est-ce que ça fonctionne, les agences d'investissement en Afrique Je veux prendre l'exemple de la NAPI, par exemple un API à RDC. RDC très bel exemple parce que c'est une agence très dynamique. Dynamique, oui. Avec, avec euh, j'allais dire, un, une envie de toujours promouvoir pays. Est-ce que ça, ça fonctionne Ça fonctionne, oui. Parce qu'aujourd'hui, attirer notre entreprise, c'est lui donner, lui montrer l'état de la législation, faire un travail sur les opportunités. Alors, je ne dirais pas que les 54 pays d'Afrique sont au même niveau. Il y a des pays dans lesquels euh, les agences <laughs> d'investissement ne sont pas dignes de s'appeler agents d'investissement. Je n'en citerai oui. aucune. Mais le plus important pour l'investisseur, à travers la Chambre de commerce, à travers le patronat, à travers l'agent d'investissement, à travers le ministère, le même du commerce ou des investissements, ou à travers des partenaires privés comme nous, c'est de s'assurer qu'on a accès aux données, aux informations fiables sur le pays. Sur le pays. Les Je vais informations à quel endroit? Est-ce que ce qu'on me donne comme élément, oui. comme potentiel de client, comme potentiel de consommateur est fiable est ou pas Est-ce que c'est la réalité Oui, donc c'est une question de, de pratique et d'organisation des pays pour se doter d'outils statistiques, d'outils réglementaires et encore une fois, les lois suffisent pas, il faut les faire respecter. Donc il faut avoir des gens, des hommes et des femmes formés oui. en conséquence pour pouvoir appliquer la loi et attirer les investisseurs. Et je vous dis, l'investissement à la rigueur, euh, quand la mariée est belle, elle n'a pas besoin de faire la danse du ventre. D'accord. Et donc il faut que l'Afrique, qui, qui est une Afrique convoitée par le monde entier, s'assure que. Comme une belle femme. Oui, <laughs> s'assure que les prétendants qui arrivent respectent ses règles, respectent son entité, respectent, j'allais dire, son ouais. territoire. Mais c'est à nous d'indiquer, de façon stratégique, où nous voulons aller, quels sont les investissements que nous jugeons ouais. prioritaires. Oui. Et les secteurs dans lesquels nous, nous avons besoin de partenaires étrangers, sachant ouais. qu'il y a aussi l'économie, l'épargne intérieure oui. à collecter pour les investissements. Merci beaucoup, Doug Dogui de votre Merci présence Carmen. ici sur le plateau de Global Africa, Télé-Sud et Trois en 1 Afrique. Je rappelle votre actualité. Vous et votre réseau Africa Assemble Forum, vous appuyez l'organisation de l'événement Agri Business Trade et Investment du 24 au 28 septembre aux Pays-Bas. Et vous irez au Cameroun pour l'événement Investir dans le nouveau Cameroun, terre d'attractivité, les 26 et 27 juillet à Yaoundé. Organisé dis. par l'OIC dans organisé la Conférence islamique internationale, qui aujourd'hui, après la Gambie, est au Cameroun, pour que les pays qui accueillent s'organisent, se mettent à jour pour attirer les investissements. Merci encore une fois, Dogad, d'être venu. Merci à vous. Chers téléspectateurs, je vous remercie de votre attention. Euh, je vous dis encore une fois euh, à très bientôt pour une nouvelle édition de Trois ans en 1 Afrique sur Global Africa Télé Sud. Évidemment, je suis Carmen Févillier et j'ai eu grand plaisir à recevoir monsieur Dogad Dogui, chairman de Africa SMB Forum. À très vite sur Global Africa et Trois ans en Afrique. Au revoir.